Exalter avec patience, année après année, la volonté commune d'une rencontre littéraire, fraternelle et festive. Associer les enfants des collèges, mêler les enseignants à l'appareil, touiller la lecture, multiplier les visites d'écrivains, éveiller les curiosités. Insister sur le fait que la culture n'est pas condescendante, mais qu'elle doit rimer avec le mot fête et s'adresser au plus grand nombre. Expliquer aux journalistes qu'ils commettent un pléonasme en écrivant que ce roman est plus qu'un polar. N'expliquez pas pour autant les épices, poivrez la liberté de penser, saler les jugements, les échanges, les contestations, discuter du monde, bannissez l'esprit grégaire. Une fois la sauce prise, nappez le culturel avec de l'authentique, les gens des villes ont bon appétit. Faites savoir qu'il y aura à boire et à manger, et à peine l'été fini, de partout, ils convergeront à Toulouse et sa station Bassocambo. Ils sont habillés en noir, viendront de divers points de la planète, d'Argentine, du Mexique, des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, de Norvège, de Turquie, d'Italie, d'Espagne et de Belgique. Ils arriveront aussi des quatre coins de France, certains auteurs, d'autres noms, qui seront du limite lecteur et militant 813, l'association des amis de littérature policière, ou directeur de collection ou attaché de presse, évidemment de Bretagne, de Gaillac, de Penmar, de Lille, de Dunkerque, de Lyon, de Cannes et d'Aquitaine, d'Île-de-France, de Montpellier, de Marseille, des rivages de Guérif et d'ailleurs. Ils seront au rendez-vous les enfants de Rachel Amert, les Miestes Catachisti, les fils de Manchette, les neveux de San Antonio, les enragés de Chesterin, les pommiers de bouddhistes, les essais de Courton, de Jim Thompson, les néo-polardeux de la rue Sébastien Botin, toute une bande de Villard à Vautrin, à Volo, les gens de Corde et de Redille, les auteurs pas conformes, les rebelles de l'ordre nouveau, tous objecteurs de sécurité, de routine, de littérature, de l'inventaire. Rien que du Bolin, les spécialistes du crime, les bijoutiers du meurtre avec préméditation, le gratin des fournisseurs des mines et des sénats, les forçats de la télé, ils s'assieront autour des tables lors du verre de l'amitié, ils apprécieront la musicalité, l'allégresse des fanfarons de la pêche au piquant, ils partageront la liesse et le vin, ils visiteront les petits plats mignonnés par Montaria, ils signeront leurs livres, ils commenteront le roman noir et la BD, le jazz ami et la politique biblique, ils témoigneront, ils débattront, ils autopsieront la planète, servez chaud à rosée de fond, en rouge et régalez-vous.